Hello tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite présentation de la bannière de fer donc, qui ouvre ses portes aujourd'hui pour une semaine, comme vous le savez probablement déjà. Donc on va directement rejoindre Lord Salada et son petit stand de bric-à-brac, hein, comme j'aime bien l'appeler, donc avec ses espèces de vieux torses posés sur le côté. Donc bonjour à toi Maître Salada et on va vérifier ce que tu as à nous proposer cette semaine. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo du leak, on retrouve bien tous les items, y compris le marteau de Jolder et la colère de Similar que j'avais annoncé, je crois, hier ou avant-hier. Donc pour le stuff, on est bien sur un stuff qui vous permettra de monter jusqu'au level 32 puisqu'on a 36 points de lumière donc sur chaque stuff. Donc pour obtenir les armes, il vous faudra bien monter rang 4 et rang 5. Et même chose, rang 2, rang 1 pour les différents emblèmes et revêtements. Donc c'est plutôt cool, le leak a été confirmé là encore, de même qu'il a été confirmé par exemple pour la nuit noire puisqu'il s'agit bien d'Omnigul en cryo cette semaine. Alors maintenant une petite information pour ceux qui nous suivent de très très près, je vais vous donner en exclu une info que j'ai eue aujourd'hui. Donc je vous conseille fortement de monter votre personnage jusque rang 5 de cette faction de l'épreuve de la bannière de fer, puisqu'il existe un glitch qui va vous permettre de récupérer votre rang 5 à la prochaine bannière de fer. Donc si vous avez le temps cette semaine, n'hésitez pas à monter complètement votre faction. Ça va vous permettre d'avoir à éviter de le refaire la prochaine fois que l'event bannière de fer réapparaîtra. Donc pour ceux qui étaient déjà rang 5, malheureusement il est trop tard. J'ai vu le glitch trop tard, donc ça sert à rien de vous en parler actuellement. Ça nous vient encore et toujours d'un Américain, j'en dis pas plus. À la prochaine bannière de fer, je n'hésiterai pas à vous fournir les informations. Voilà, c'est tout pour cette review de la Iron Banner de cette semaine. Je vous souhaite de très beaux frags, j'espère que vous allez cartonner en PVP. Vous allez sûrement m'y retrouver puisque c'est un mode que je commence à apprécier fortement, du moins depuis la sortie du mode Inferno, je vois le multi différemment. Donc je risque de me balader sur les terres sauvages de ce mode d'épreuve cette semaine avec mon petit groupe, bien évidemment, donc vous allez sûrement nous y croiser. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle Saint-Patrick également, puisque c'est un jour un peu festif, je vous souhaite de bien en profiter. Amusez-vous, mais ne faites pas les fous, comme on dit, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao ciao !